Eh bien, salut les amis, c'est Mamax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une minute du jour un peu différente des autres formats. C'est parti. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui est plutôt une affirmation. En fait, je veux tout simplement vous affirmer de rester groupé. Rester groupé, mais dans le sens... aller à la rencontre, aller chercher les gens, rester ouvert à toutes les possibilités de rencontrer de nouvelles personnes. Va falloir un peu sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est une zone où justement on se sent bien, on n'a pas trop envie de bouger. Voilà, c'est vraiment notre zone de confort, le lieu où on se sent le mieux. Et moi, je veux vous inciter à aller bouger, sortir de cette zone de confort et aller à la rencontre des autres, des gens, surtout de votre, ami, famille lointaine. Voilà, allez à l'encontre des gens, allez rencontrer, allez vous amuser, passer le bon délire avec vos amis, votre famille ou vos nouveaux connaissances, tout simplement. Allez vous ouvrir. J'ai fait justement une expérience hier, c'est-à-dire que je suis resté chez moi à rien faire, à regarder des séries. Et le fait que je ne sois pas en contact avec les autres m'a clairement démotivé. Ce qui fait d'ailleurs que le résultat est là, c'est-à-dire que cette minute du jour, je suis en train de le faire avec des vidéos qui ont été reprises. Ce ne sont pas des vidéos prises dans la semaine. Tout simplement, ça, c'est le résultat de toute cette flemme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le fait de ne rien faire, le fait de ne pas rencontrer les autres, te démoralise en tout point. Ce qui fait que je n'ai même pas été capable d'être créatif pour créer la nouvelle minute du jour. Alors, du coup, j'essaye de faire ce format-là. C'est un format... que j'espère que vous allez apprécier, mais quoi qu'il en soit, je t'affirme, va à l'encontre des autres, sors de ta zone de confort, fais des rencontres, parce que c'est l'un des meilleurs moyens de te sentir bien dans ta peau, mais d'aussi de découvrir de nouvelles choses, d'agrandir tes connaissances. Il faut que tu ailles à l'encontre des autres, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu rencontres de nouvelles personnes. Ou alors que tu reprends contact, que tu retrouves le lien que tu as eu avec des personnes où ça fait un moment où vous n'avez pas parlé, échangé ensemble. Voilà, il suffit juste de trouver ou de retrouver les personnes à qui tu te sens le mieux, les personnes qui vont te booster, les personnes qui vont t'emmener loin. Voilà. Reprends contact avec ces personnes-là qui t'ont donné de la joie lorsque tu étais avec eux, ou tu t'amuses tout le temps, c'est-à-dire qu'une fois que tu es en contact avec eux, là tu retrouves la joie de vivre, tu retrouves le plaisir de partager les délires que vous pouvez avoir tous ensemble. Alors ouvre-toi, si tu n'as pas d'amis, fais-toi-en, il n'y a pas de souci. Ouvre-toi, lâche-toi et libère-toi. Mais en tout cas, il faut que tu ailles à l'encontre des autres. Comme je te l'ai dit, ça va te fortifier dans toutes tes actions. Reste tout seul dans ton coin, c'est la meilleure façon pour ne pas progresser et surtout pour te rapprocher de plus en plus vers la dépression. Alors, c'est une affirmation que je te donne. Va vers les autres, fais de nouvelles rencontres. Ou alors retrouve des liens perdus, des connaissances ou des amis proches que tu as perdu de vue. Reprends contact avec eux, prends des nouvelles, dis-leur comment ils vont depuis la dernière fois où vous êtes pas vus ou pas encore parlé. Passe des petits coups de téléphone avec les personnes avec qui ça fait un moment donné que tu n'as pas parlé, histoire de raviver justement cette envie, cette connaissance et voilà. Alors je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à demain dans la prochaine minute du jour. Ciao ciao.